Salam alaikum. Faire la vidéo, propriété qui est très importante. pour les fonctions à plusieurs variables y à la différenciabilité. Presque, on avons dire que lié la propriété. Il y a la dernière vidéo, faisama, le cours ou la playlist que nous avons les fonctions à plusieurs variables. Donc, il y la partie libre à il y a la différenciabilité. La différenciabilité, il y a la notion les

c'est un, un point dans le plan. Et la fonction, là, il faut souligner là que la fonction elle est à deux variables. Voilà, la fonction est à deux variables. Voilà. Débat, le traitement de la, de la différenciabilité à deux méthodes la méthode 1 et la méthode 2. La première méthode la première méthode rafra sa les fonction fonctions à deux variables à deux variables. J'insiste, va à... variable. J'insiste à la haute à la méthode deux variables. Donc voilà, euh, pour les F, les, euh, les différenciables pour... F le point AB, qu'est-ce qu'il y a de la limite Il y a de l'HK, vers 0,0. 0. k ce sont deux variables. Ton, euh, on va l'étendre vers 0. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a F Il y a A plus H. Il y a X. X ou l'H. A plus H. A. Et où est le point Il est par de la différenciabilité. Quand on a un h est la variable, la même chose, il y a deux mêmes b plus k, moins f de AB, moins a fois h plus b fois k, le tout divisé par la racine de h h plus k. Le module de l'expression rédit, il est qu'un qui sert à 0, donc f est différenciable. Mais quand je sais où il y a zéro, donc f n'est pas différenciable. Donc elle dit la première méthode, elle dit c'est une méthode traçable, les fonctions à deux variables. Elle les fonctions à deux variables, généralement dans les TD ou elle les examens. Les profs qui ont des fonctions à deux variables, La a fait des les variables, quest sont il dit y a une fonction à deux variables. D'abord, il y a une méthode La méthode est valable pour toutes les fonctions à plusieurs variables. Il 2, 3, 4, 5, n variable. Il y a la deuxième méthode. La deuxième méthode dit quoi Il consiste à montrer que f est de classe C1. Yani, il a une bino. Bli f est différenciable. Le point AB est de classe C1 on a b f admet des dérivés partielles ou les dérivés partielles ils doivent être continues voilà les dérivés partielles sont donc continues n'aude hêd hêd la deuxième méthode les f admettent des dérivées partielles un partiels. partielles ou lim qui y première propriété a vidéo les dérivés partiels, vous le lien dans la description. Et encore les dérivés partiels, mais chez la fonction. Les dérivés partiels de la fonction sont lesquels continue. pour continuité, il y 4 vidéos sur comment calculer les limites pour que nous puissions voir Donc voilà, je vous conseille de de voilà, la deuxième méthode est l'avantage. La deuxième méthode est valable pour un point, en même temps pour un, pour un intervalle. ou pour, pour un domaine. Il y a la fonction F. La fonction F est différenciable par R2. Il y a Pour tout

et les dérivés partiels sont continus. Je vais vous montrer les propriétés. Je vais vous donner une vision. Je vais vous montrer les exercices. Il a deux exercices. Chaque exercice, je vais le traiter par une méthode. La première méthode, le deuxième exercice, la deuxième méthode. Donc voilà, les deux méthodes sont les deux méthodes donc voilà andy hinaia le premier exercice diélish na moi je kigoulia montrer que f est différentiable en le point 0 0 il y a la fonction dielchi f de x y

supposons qu'elle est, qu est continue, on va dire que elle limite est différenciable en 0.00. Donc, pour montrer ça, on va dire que la limite Donc, voilà, on va dire que la limite est là. On va écrire que c'est F. Voilà, F de X, Y égale à quoi Égale à X carré, Y 3 divisé par X carré plus Y carré. Et là, ici, X, Y, différent de 0, 0. Et maintenant, la propriété dit quoi La propriété dit que H 2 H et K, lorsque H et K tend vers 0, dit LH, dit f de A, et h, virgule, plus h, pardon, b plus k, moins f de a, b, moins a fois h, plus b fois k. Le tout divisé par la racine carré de h carré, plus k carré.

وهذا هو بي دونك غادي نجي غادي نعوضو هنا شنو غادي نديرو غادي نديرو لا ليميت ديال اش كا طون فيغ زيرو تاع اش تاع اف دو الا كان هذا زيرو تبقى ليا اش وهنا زيرو تبقى ليا كا هنايا اف دو زيرو زيرو شحال قلنا كتساوي قلنا كتساوي زيرو ها هي لي دوني ها هي اف دو زيرو زيرو ايكال زيرو لو انها كانت كتساوي ان أه.

le tout divisé par h carré plus k carré. Le tout fois la racine carré de h carré plus k carré. Donc voilà. Euh, donc voilà. D'abord, on va, dire... on va, dire... on va le degré de le polynôme C est égal à 5. On 2 plus 3. 5 a 2 plus 1 demi, il est inférieur à 5. donc on doit penser à quoi On doit penser l'encadrement. Donc voilà, a l'encadrement, qui est très utile, on l'est très utilisé. Les h carré est inférieur ou égal à h carré plus k carré, là c'est évident. Ou k carré, la même chose est inférieur à h carré plus k carré. Ce qui implique qu'il y a un autre encadrement. Le module de H est inférieur à la racine de carré de H carré plus K carré. De même, le nisme est inférieur à H carré plus K carré. T, voilà le tout ou. Voilà la racine. Donc, il y a des choses qui appliquent l'encadrement. Il y a des choses qui appliquent l'encadrement. هاد كا على بويسونس تخوا غادي نردو هاكا كاغي فوا كا صافي و غادي نخليوها هكا بلوس كا كاغي فوا لا غاسين دو اش كاغي بلوس كا كاغي هادي شحال كتساوي كتساوي لينا اه غادي ندير نخرجو هاد كا هادي بوحدها مع هادي كتساوي ليا لو موديل دو كا voilà par la H carré plus K carré une fois euh, H carré fois K carré divisé par H carré plus K carré voilà on que le module de k est inférieur à cette expression donc il est bien il est besoin de هتولي الموديل دو كا ديفيزي با لا غاسين ديال اش كاغي بلس كا كاغي هنا نقدر نحيد لا آه الموديول لحقاش عندي لا غاسين لا غاسين توجور بوزيتيف دونك فوالا فو فيغ اتونسيو لهادي إلا هبطنا هذا لهنا شنو غادي يبقى لي هنا يبقى لي انفيريور ا اه. نيس نيسبا فوالا لاميم شوز بالنسبة ل اش كاغي هنايا إلا جبت هاد لا كونتيطي هبطتها هنايا شنو غادي يبقى لي غادي يبقى لي ان اه. اي اش كاغي

إلي تنفي لون اكا كاري علاش لحقاش هادي اللي تنفي لون اكا أه. هيا بيناها هنايا هيا بيناها وهادي هاد الاكسبريسون هادي كاملة إلي تنفي لون سي ان أه. بيناها هنايا دونك هادي انفيريور ا أه. و هادي انفيريور ا أه. كتبقى ليا كاكاري دونك هاد لا كونتيتي هادي كامله هادي كامله ها هي Elle, dit quand même là. elle est inférieure à k carré. Au k carré, elle tend vers 0. Donc, la limite, donc, à la limite elle dit égale à 0. Ce qui implique que, donc, donc f est différenciable en 0, en 0, 0. Donc, voilà, on applique la première méthode. D'abord, je vous fais la deuxième méthode, le deuxième exercice. Voilà. Le deuxième exercice est ce qui a montré que F est différenciable sur R2. Donc, on a exprès un domaine, on a un point. Mais je vais vraiment te comme la différence. Là, je vais traiter, ou il y a une autre chose qui de la fonction. Il y a la fonction qui est là. Il y a la fonction F. Il y a une exponentielle qui est continue sur R2. Et on a un polynôme qui est continu sur R2. Donc le produit il est continu sur R2. Voilà, donc, euh, donc le produit de est continue sur R2. Donc F est continu sur R2. F est continu sur R2. Mais il y a Je dire que F admet des dérivés partiels. Nous avons l'exponentielle, la fonction exponentielle. Est donc, elle admet des dérivés partiels. Au polynôme, elle admet des dérivés partiels. Donc, le produit d'elle admet des dérivés partiels. Automatiquement, F admet des dérivés partiels. Et donc, c'est un même dp des dérivés partiels sur R2 sur R2 comme produit et la démonstration comme produit comme produit de deux de deux fonctions qui admettent qui admettent fonctions qui admet qui admet qui admettent des euh, des dérivés partiels

le calcul de la On suppose que y est constante et on dérive par rapport à x. Voilà. On a la dérivée de f par rapport à d de y. xy y égal. à quoi égal à quoi Exponentielle xy. On a, a x. F x plus y plus 1. Donc voilà. On a un polynôme. Ah Un polynôme fois un exponentiel. Exponentiel, il est continu. il est continu. r 2 Adé, continu. R2. Donc, de la dérivée, elle est, est continue. r 2 La même chose, on a exponentielle fois un polynôme. Jouge un continu. r 2 Donc, leur produit est continu sur R2. Donc, Adé, les deux, le deux dérivées partielles sont continues sur R2. Donc, voilà, bien, f admet des dérivées partielles. Et les Bien, on a une F. Ou bien, les dérivés partielles sont continus, mais mal à ce ou bien un blé sont continus, donc ce bonheur, les dérivés partielles sont continus, sont continus. Donc voilà, d'après la propriété des ou et on peut conclure que f est.

et que f est continue. Voilà. Heidi, messieurs musqués, mais ma mais que tu as une chose qui est y'a pas quelque chose, de nouveau denouveau. Je connais pas bien finalement. Il la négation de Heidi. A implique B, la négation de là. Non non B implique non A. C'est-à-dire, Heidi, nous allons de la négation. Tu si f n'est pas continue n'est pas continu. Alors, F n'est pas différentiable. Donc voilà, il dirait d'être

que f admet des dérivées partielles. De, de, de dérivée elle partielle. est chaque général. Généralement, chaque f qui admet des dérivées partielles ou des dérivées partielles continues, peut être con différentiable. Donc, si f est différentiable, si f est différentiable, automatiquement, elle admet des dérivées partielles. Et aujourd'hui, on a une, une chose nouvelle. Donc, on dira la négation ici de cette phrase-là. Il y a yani, si f n'admet pas des dérivés partiels. Des dérivés partiels. Cela implique que F n'est pas différenciable. N'est pas différenciable. Donc, euh, voilà, Chiliquenou a la propriété déjà nous de Karnaa. Il y a la F de classe C1. الو اف ديفيرونسيابل دونك فوالا تشيلي كاين بالنسبه لهاد لابارتي هادي اللي كتبان صعيبه ولكن صراحه هي يعني لي فاسيل خاص غير الانسان انه يحاول يضبط هاد لي دو ميطود هادو Ou voilà, je euh, vais pratiquer encore des exercices. Il y en a des exercices d'application ou d'assimilation. Pour vous les deux méthodes. Ou voilà, je vais d'autres exemples. donc je Donc voilà, j'espère que vous avez Au revoir.